Höfðafall og ilmagras eða gröð áður en sjást. Ég var að reyna að gera terminé. Mieux vaut se montrer prudent. Du calme, Ivar. Eivor et moi allons nous occuper de cela. Je sais. Sigurd, un problème? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Uber resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Je vois. Allons-y. Ce ne sera pas long. Une petite fortune pour qui enverra Tona chez Hel. Je risque de te prendre au mot. D'après ce que j'ai entendu à Repton, les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mercenaire. Ube avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Borgred... Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire? Ivar t'a dit d'apporter ta hache. Et les voilà, comme prévu. Si elle a l'air de t'apprécier, continue à parler. Sigurd, qu'est-ce qui t'amène à mon campement par cette belle journée? Je pense que tu le sais déjà. Oui? L'odeur de cendre vous a trahi. Mais pendant que nous discutons, le roi Burgred court toujours. Et qui es-tu, ma petite colombe? Tu veux venir t'installer sur mes genoux? Ça ne m'intéresse pas. Oh, pourquoi? On dit que j'ai la langue plutôt agile. Pour jacasser, ah oui, c'est sûr. Assez bavardé. Tu sais pourquoi nous sommes ici. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée? Parce que nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaire tous les deux. Que veux-tu? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Je veux que tu me dises à moi ce que tu sais. Dis ton prix. J'ai besoin d'une autre vache. Tu n'as qu'à la payer.
Quand Cheowulf sera sur le trône, tu crois qu'il oubliera que tu t'es mise sur son chemin, que tu as douté de lui? 10 minutes ont pris de moitié, et peut-être que le premier ordre de Cheowulf ne sera pas de réclamer ta tête. Tu as du cran, toi? Vas-y, parle. Burgred m'a payé pour éloigner les Ragnarsson de deux lieux, l'Edcestre et le fort de Templebro. Il s'est montré généreux. À votre place, c'est là que je chercherai. Et c'est tout ce que je sais. Rien de plus, rien de moins. Alors, comme on dit, bon vent. L'Edcestre et le fort de Templebro. Tu connais ces endroits? Non, mais les frères sûrement. Je vais aller leur poser la question. Ne reste pas trop longtemps ici. On a un roi à rattraper. Tu es encore là, toi. Tu as pu oublier la torche? Je t'ai dit qu'il fallait mettre le feu à la maison pour que ça ressemble à une attaque. Je ne l'ai pas oublié, tu as dit...
doit pas être vu. Vite, ma capuche. Tombe à pic. On aurait mis cet endroit à sac sans toi. Qu'est-ce que tu as vu? Beaucoup de soldats, des allées et venues de chariots. Cette fouine de Burgred est là, j'en suis sûr. Tu vois les bains là-bas et cette église? J'ai envoyé un éclaireur. Il devrait revenir d'un instant à l'autre. Tu as vu Ubbe et Sigurd à Templebro? Non. Et si Burgred se cache ici, ce sera inutile. Il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas à faire si on se bornait à tuer les rois. Mais à cause de mon frère aujourd'hui, on en... Les tensions sont vives entre vous deux. Je vous aurais cru plus proche. Sigurd et toi, vous vous entendez toujours bien? Oui, la plupart du temps. Tu es encore jeune. Attends d'avoir mon âge et tu verras. Plus on est proche, plus on voit les défauts de l'autre. Bon, c'est fini pour ton éclaireur. Soit on l'a tué, soit il a fui. Laisse-lui une chance. Il ne faut pas qu'il nous voie, sinon Burgred filera de nouveau. Reste ici à attendre ton éclaireur. Moi, j'y vais. Que vois-tu, ma vieille amie ? Ce sont sûrement les bains. Reste à trouver le moyen d'entrer. Notre Dieu accepterait-il un marché? Cet endroit est interdit. Reprendre Tamworth aux Danois. Il faut d'abord assurer le ravitaillement. Ordre de Léofrit. Ordre de Léofrit. Le roi commence à se lasser de lui, tu sais. C'est ce que disent tous les hommes. Se lasser? Comment ça? Tu es aveugle?
Il n'arrête pas de mettre en doute les décisions de Burgred. C'est comme ça depuis que les Danois sont arrivés. Une grande quantité de marchandises. Chez Holbert. Tu as perdu la tête. J'avais peur que ce soit l'un d'eux. Moins fort. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Burgred. C'est toi l'éclaireur d'Ivar? J'espérais réussir à trouver Burgred et à le convaincre de se rendre. Mais il n'est pas à l'Edcestre. En es-tu certain? Léofrit est passé par ici avec plusieurs... Apparemment, ils ne font qu'entreposer des vivres. Mais il a dit une chose intéressante. Il a ordonné d'envoyer plus d'hommes auprès de la femme de Burgred, Dama Telswiss. Elle est à Templebro. Elle doit savoir où se cache Burgred. Tu entends ça? Des bruits de combat. Bon, il faut t'éloigner d'ici. Vite! Où est-ce que tu vas? Je connais le chemin. Nous allons traverser le marché. Par ici. Essayez de pas résister.
Blessé ? Parle. Je ne crois pas. Mon Dieu. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. Il t'aurait tué, Chilbert. Tu n'avais pas le choix. Reste là. Saxon, où est-il? Dieu notre père, accorde-moi le salut. Où est-ce que leur dieu trouve le temps de s'occuper de toutes ces pleurnicheries? Qu'est-ce qui t'a pris, Ivar? Chilbert aurait pu se faire tuer. Qui suis-je pour empêcher un jeune garçon de trouver son propre courage? Ne cherche pas d'excuses. Tu ne penses qu'à t'amuser. Que ton père n'est pas couronné, tu es l'ennemi de la Mercy, pas son champion. Tu comprends? Oui, je comprends. Bien. Maintenant, rentre à Repton et reste-y jusqu'à ce qu'on t'appelle. Tu ne restes pas, ami des loups. Il n'y a pas de roi, mais ça ne manque pas de cadavres à dépouiller. Atel Swiss, la femme de Burkhead. Elle est à Templebro. Je vais aller découvrir ce qu'elle sait. Prenez tout! Empilez les soldats ici! Que ces gens puissent voir le carnage qui attend leur royaume. Va où tu veux. Pour ma part, je n'en ai pas fini ici. Celui qui entraîne ses soldats meurt. Respecte les alentours, Céline. Okay.
Une chanson maintenant. On reprendra plus tard. Abaissez le mât. La voile. Gardons ça pour plus tard. On ne peut pas naviguer à la voile. Démontez le mât. Il n'ouvrira plus jamais la bouche. On t'a tout dit. Pourquoi tu ne nous laisses pas partir? Ça dépendra de ce qui se passera ici. À ton avis, par la terre ou sur l'eau? Si on y va en bateau, ça va faire de l'agitation. Ah, et c'est mal? Eivor, te voilà. Et qui sont ces prisonniers? Des hommes du fort, sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est Atelswiss, sa reine, qu'il protège. Ils ont dû être séparés après Tamworth. C'est ce que m'avait dit Cheolbert, à l'Edcestre. Cheolbert? Que faisait-il là-bas? Ivar! C'est une longue histoire, mais il va bien. Je l'ai envoyé à Repton. Qu'est-ce que ça donne ici? L'ennemi ne va pas tarder à envoyer des gens chercher ses hommes. Nous devons entrer et trouver Atelswiss. S'emparer d'une reine pour trouver un roi. Ça peut marcher. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essaie de tirer d'eux d'autres informations. Eivor et moi allons nous charger de capturer Atelswiss. Codin, guide vos pas. Tu peux essayer d'entrer discrètement ou utiliser ton navire. Le choix te revient. Ah, Eivor, ce que j'ai pu rêver de ce jour. Celui où tu parcourais un comté à la recherche d'un roi? Celui où je me ferais viking. Avec toi, avec nos frères et sœurs. À conquérir de nouvelles terres. À lier des amitiés. Et si cela suppose de traquer une fouine en terre inconnue, qu'il en soit ainsi. Je suis là où je désire être. Moi aussi, mon frère. Thank you.
Que vois-tu, Sinine? Viking! Défiler, petit lapin.
Toutes les trois, filez. Dame Atel-Swiss, je vois que Borgred a fait son possible pour vous cacher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accordez la liberté à mes suivantes. Les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça, Eivor ? Noble qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis-nous ce cache Borgred, et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie, je n'en sais rien. Très efficace, Sigurd. Elle n'a pas conscience de sa situation, mais elle va vite comprendre. Un instant. Ce sont des mains de la Vendière. C'est une servante. Elle n'est qu'un leurre. Oh. Garde ! Elle est à droite, vous pouvez ! Occupe-toi des servantes ! Je vais suivre Atel-Swiss. Pas de moi. Mon mari vous enverra tous en enfer. C'était bien pensé, ta seigneurie. Tu ne nous as pas facilité le travail. Je t'interromps. En volet ? Voilà qui est clair. Relâche-moi ! Je l'exige ! Après le mal que tu m'as donné, ce serait idiot de ma part. As-tu conscience de ce que tu fais, païen ? Je suis la reine de Meurthe. Je ne parlerai pas, ni à toi, ni à aucun de tes frères barbares. Je t'invite à te raviser, ne serait-ce que pour ton peuple. Qui sait combien risque de mourir de nos mains de barbares ? Tu ne me fais pas peur. Alors tu es stupide.
Madame Athelswiss, ta situation est peu enviable. Dieu païenne, s'il t'en trouve une. Jolie prise, Eivor. Elle est aussi poète que toi. Où est ma Cadeline? Qu'avez-vous fait d'elle? Tu veux parler de ta servante? La fille courageuse qui a revêtu tes atours? Elle est enchaînée avec les autres. Je vais les ramener à Tamworth. Nous les ferons parler. Si l'un de vous ose porter la main sur elle. Je vais informer Théowulf. Il saura peut-être comment parvenir à la faire plier. Je te retrouverai là-bas. Sigurd. Et pour les prisonniers? On a ce qu'il nous fallait. Relâche-les.